Donc, la dame de Haute-Savoie. Voilà, elle ouvre, on parle de la dame de Haute-Savoie. Tout le monde est d'accord? Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. Quand leurs mots voleront en éclats. Quand il n'y aura plus de mots en face de moi, j'irai dormir chez la dame des Hautes-Savoies. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Quand je serai fatigué d'un métier où tout marche, où tout crève. Lorsque demain mes pas portera, que des cris nous mènent aux bottes de bois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Il y a des étoiles qui courent dans la neige autour des sans-châles des bois. Il y a des guirlandes qui pendent de toi. Et la nuit descend sous le sapin blanc jusqu'à ne frappe ses doigts. Jusqu'à ne frappe ses doigts. Quand j'aurai tout donné, tout écrit, quand je n'aurai plus ma place. On était, mais j'étais sous les premiers Jésus-Christ qui casse. Je prendrai ma guitare avec moi. Et peut-être mon chien s'il est encore là. J'irai dormir chez la dame des Hautes-Savoies. Chez la dame des Hautes-Savoies. Bravi! Buongiorno! Buongiorno! Comment? Plus fort! Pluriel au singulier! Ça fait 48 heures que j'étais à la maison. J'en pouvais plus. Irène, elle peut comprendre. Irène? Vous avez un paire de lunettes? Vous pourrez mettre. Si vous avez un paire de lunettes, on peut les mettre. Il y a quelqu'un qui a un paire de lunettes? Non, bah, dans un sachet, un camp. Dans un sachet.